Bonjour à tous, c'est l'heure de m'embarquer un moment. Oui, ma poupette. Bonjour les amis. Alors, j'espère que vous êtes bien emmitouflés, que vous êtes bien couverts et que vous vous êtes installés confortablement parce que je vais vous lire une petite histoire. Ça s'appelle Billet, Toupie et compagnie. C'est parti. On t'écoute. Alors, Billet, Toupie et compagnie. En classe, Tim n'est pas très attentif. Soit il se retourne et bavarde, soit il passe des petits mots à ses voisins. Oh, c'est pas bien ça! Il est dissipé, hein! C'est pas bien, Tim! Faut pas passer des mots quand on écrit ou quand on travaille. C'est pas bien! Ne refaites pas ça! Faites pas ça, d'accord? C'est pas bien! Maître Luc attrape un petit papier et dit: si ça circule, moi je lis à haute. J'espère que ce n'est pas une déclaration d'amour. Les filles gloussent. Maître Luc lit: vous avez apporté vos cartes pour la récré? Ah, j'ai des joueurs de cartes dans ma classe. Vous ne jouez pas au poker quand même. Cette fois, les garçons se mettent à rire. Tim sort les cartes de sa poche et explique: ce ne sont pas des cartes à jouer, mais des cartes de joueurs de foot. Ah, bah oui, les garçons, c'est le foot, bien sûr, le foot! Maître Luc s'exclame: ça, c'est une collection alors! Moi, petit, je faisais une collection de timbres. Est-ce que d'autres enfants font des collections? Nous, avec Noël, on fait une triple collection. Qu'est-ce que tu fais comme collection, toi? Collection des jouets. Mangas aussi. Et des mangas, oui. Nous, avec Noël, on fait une triple collection des mini-poupées. Disent Léa et Anna en chœur. Pardon. Oh, ma poupette. T'es enrhumée, ça s'entend. Un peu embarrassée, Noé ajoute: j'ai aussi des toupies. Moi, j'ai une méga collection de billes, dit Basile. Nous aussi, crient ensemble Alice et Lou. C'était les billes de nos papas quand ils étaient petits. Tous parlent en même temps de leur collection. Ils sont vraiment, vraiment heureux de parler de leur collection. Alors, le lendemain, pendant la séance de poésie, Maître Luc leur fait inventer un poème qu'il note au tableau. Nos collections. À la récré, on est pressé de les montrer. Image de foot, billes colorées, mini poupées, petite voiture, qu'importe, ça fait craquer les coutures, tant ça déborde des poches. Les élèves sont fiers de leur création. Ils copient la poésie dans leur cahier avec beaucoup d'application. Ils sont pressés pour ça. Doucement, toujours bien. Pas comme ça. Je veux pas faire de faute. Voilà, c'est ça. Le maître les autorise à prendre un objet de leur collection comme modèle pour illustrer leur poésie. Tim prête des cartes de joueurs de foot à Théo et Fatou qui ne font aucune collection. Sur chaque table, il y a des objets posés. Toupies, petites voitures, mini-poupées et des billes qui n'arrêtent pas de tomber au sol. On se croirait dans un magasin de jouets, dit Bob. Ah oui, c'est vrai, parce que là, c'est la pagaille, regarde, la pagaille. Ah ben, il y a tous les jouets de tout le monde, les collections, les billes, oui. Les poupées. Noé a étalé sa collection de toupies pour les montrer à ses voisines. Tu en as même une rose, dit Lou, admirative. Tu vas dessiner laquelle? Demande Alice. Ben justement, j'hésite. Je ne sais pas, dit Noé. Moi, ce serait la rose avec des paillettes. Elle est trop belle, ajoute Alice en la faisant tourner. Oh, les filles s'intéressent à la rose. C'est tourné, n'allez pas s'intéresser au vert. Monsieur, le vert, c'est très beau. Ben c'est très beau le vert. Oui. Ça appelle le Grinch.
Paris, je vois. Oh là là, je suis pas content, on fait pas Noël. T'avais bien aimé le Grinch, toi. Ah oui, c'était trop marrant. Alors, on revient à notre chien, histoire. Son petit chien, Ben. Je crois que c'est Ben. Alors, on continue. On revient à l'histoire. Alors, mais j'ai pas de feutre rose à paillettes, dit Noé déçu. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps des feutres rose à paillettes dans un trousse. Hein. Tiens, je te prête le mien, dit Alice. Oh, bah, elle en a un. À la récré, la grosse bille de Basile a disparu furieux. Basile accuse ses voisins Reda et Noé. Ils veulent fouiller les poches de leur manteau. M'en fiche de tes billes, moi, dit Noé, qui ne joue pas aux billes. Pfff, tu crois que j'ai besoin de ta grosse bille? J'en fais même pas collection, ajoute Reda. D'abord, ce n'est pas une bille. C'est un canon qui vaut 10 billes, réplique Basile. De retour en classe, maître Luc n'est pas content. Je ne veux pas d'histoire de vol, sinon je vais interdire les collections à la récré. On entend des noms un peu étouffés et tous les élèves lancent des regards furieux à Basile. Oula, pardon. Oh, ma poupette. Oula. Maître Luc clôt l'incident en faisant une petite leçon de morale. Il annonce: si la grosse bille n'est pas revenue d'ici la sortie, ce sera l'interdiction définitive des collections à l'école. Si ça arrive, ce sera de ta faute, chuchote Léa et Anna dans le dos de Basile. Oh, ils sont pas gentils, hein? Et si c'est mon nom, c'est pas gentil. Bougon, Basile fouille dans sa trousse pour prendre un feutre. Il voit alors sa bille. Elle est là, crie Basile. Le voleur l'a rendue. Ah, c'est bien ça. C'est super. Ou alors personne n'a volé. Léo, qui était resté en classe pendant la récré pour finir son dessin, vient de comprendre ce qui s'est passé. Il intervient car il se sent soupçonné. Personne n'a volé ta bille. Elle était par terre et elle a dû rouler jusqu'à mon bureau. J'ai failli tomber en marchant dessus. C'est moi qui l'ai rangé dans ta trousse, pelot. Basile baisse la tête, maître Luc dit. Tout est bien fini. Hein. Sortez vos cahiers de français pour la dictée. On dictait comme nous. À la cantine, Reda et Noé sont fâchés. Ils en veulent à Basile de les avoir accusés. Du coup, ils refusent que Basile s'assoie à leur table pour manger. Quand Léo passe à côté d'eux, il lui crie aussitôt. Viens Léo, viens manger avec nous. Basile comprend qu'il n'est pas le bienvenu. Vexé, il s'éloigne. On a pardon Léo. Basile prend la seule place libre qui reste. Il se retrouve assis au milieu des filles. Léa et Anna en profitent pour le sermonner. On n'accuse pas son prêt, dit Léa, et surtout pas ses copains, ajoute Anna. Mia essaye d'arranger les choses. Ça va, je crois qu'il a compris, dit-elle avant d'ajouter à voix basse. Faudrait que tu t'excuses quand même, dit Basile. Après la cantine, Basile va voir Reda, Noé et Léa. Oh la femme. C'est vraiment bien enrhumé. Hein. Ah oui, là, ça m'empêche. Là, en même temps, je l'ai au pied. Alors, pour se faire pardonner, il veut offrir une bille à chacun. Reda, Noé et Léo mettent un temps. Où à se décider. Tu as vu celle-là? Elle est
trop belle. Et celle-là, elle brille. On dirait qu'il y a des pépites d'or qui flottent. Dépêchez-vous si vous voulez qu'on y joue, les presbasiles. Vas-y, explique les règles du jeu. Rida, Noé, Léo, Lou et Alice veulent jouer aussi. Non, pas vous. C'est pour les garçons, dit Belly. Non, c'est pas que pour les garçons. Ouais, les filles, elles ont le droit de jouer aussi. Hein. Aussi, moi, je joue dans la cour. Bah oui, tu joues au billes, toi. Moi, j'en ai une très grande collection. C'est nul. Pourquoi les filles ne joueraient pas aux billes? Demande Lou et Alice. C'est vrai, elles ont raison, dit Rida. M'en fiche, moi, dit Léo. Elles peuvent jouer. Lou et Alice ont gagné la partie. Elles admirent leur nouvelle bille. Au fait, la revanche de demain, disent les garçons qui ont bien l'intention de récupérer les billes. Non, pas demain, demande. On jouera au toupie avec Noé. Elle passe bras dessus, bras dessous avec Noé qui est bien content car il préfère les toupies aux billes. Voilà. Alors, cette histoire est finie. Bah, il est temps de se dire au revoir. T'as eu un peu de mal à cause de ton rhume. Ah oui. Bon, bah, il est temps de se dire au revoir. Si vous avez aimé l'histoire de pouce bleu, partagez. Abonnez-vous, c'est super important.